Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une carte comme celle-ci avec des petits cœurs en 3D. Donc on se retrouve pour les explications et le matériel. Pour réaliser votre carte, il vous faudra des feuilles de couleurs différentes dans dégradé de rose et de rouge et une feuille blanche pour réaliser la base de la carte. Il vous faudra également de la colle et des ciseaux. Tout d'abord, réalisez une carte avec votre feuille blanche en la pliant en deux et en la découpant. Vous pouvez réaliser une carte carrée ou rectangulaire selon votre choix. Ensuite, prenez vos feuilles de différentes couleurs et venez découper des petits cœurs à l'intérieur. Pour cela, pliez votre feuille en deux et découpez un demi-cœur. Venez ensuite replacer votre cœur sur la feuille pour découper un deuxième cœur identique. On renouvellera l'opération 9 fois pour réaliser 9 lots de 2 cœurs. Une fois vos 9 lots de 2 cœurs réalisés, prenez à chaque fois un des deux cœurs et venez le coller ici sur la carte. Ensuite, prenez le cœur correspondant à celui que vous avez collé, pliez-le en deux. Venez déposer de la colle sur la tranche de la pliure. Et venez appliquer le cœur au centre du premier que vous avez déjà collé. Et voilà votre carte cœur en 3D. Et terminé. Et voilà, j'espère que ce petit tuto carte cœur en 3D, que ça a plu et que c'était assez simple pour vous. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Donc tout d'abord, j'ai une dédicace à faire à Kakiman. Donc voilà, je te dédicace cette vidéo. J'ai reçu également pas mal de photos cette semaine, donc je vais vous les montrer. C'est les photos de création de deux personnes. Donc, tout d'abord, les photos de création de Laura et sa fille Lilou. Donc voilà. Et ensuite les photos de quelques créations, donc j'ai pas pu tout mettre parce que ça va être un peu long, elle m'a envoyé pas mal de photos, mais je vous présente quand même quelques créations de Stéphanie, donc voilà ses créations. Voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet Créabulle, sur ma page Facebook Créabulle également, sur ma chaîne avec plein d'autres tutos et plein d'autres vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut salut !